à échappe. La touche échappe, parfois intitulée escape ou escape, elle sert le plus souvent à annuler une opération en cours ou à refermer une boîte de dialogue. 2. Touche tabulation ou tab. On l'utilise pour insérer une tabulation dans un texte, mais aussi pour passer d'une cellule à une autre, dans une feuille de calcul ou d'un champ à l'autre dans un formulaire de saisie. Elle fonctionne en sens inverse lorsqu'on la combine avec la touche majuscule. 3. Touche majuscule, shift ou majuscule. Donc la flèche CTRL Alt avec les touches CTRL CTRL et Alt alternative. Elle fait partie de celles qui n'ont aucune action lorsqu'elles sont utilisées seules. Outre sa fonction première de saisie d'une lettre majuscule, elle est la plus utilisée pour les raccourcis clavier. 4. Touche Windows Win, fréquemment utilisée pour le raccourci clavier de Windows. 5. F1 à F12, touche de fonction F1 à F12. Elles sont à la disposition des programmeurs qui peuvent leur affecter la fonction qu'ils veulent à l'intérieur de leur logiciel. 6. Alt-Gr, touche Alt-Gr pour graphique alternatif. Elle sert surtout à saisir des caractères graphiques alternatifs indiqués en bas à droite des touches. 7. Impression d'écran, touche impression d'écran slash système, parfois juste intitulé impair ou impair slash système. Sa fonction première est de placer dans le presse-papier capture de l'image de l'écran. 8. Arrêt des files, touche arrêt des files ou des files, tombée en désuétude, elle est absente de certains claviers, elle n'est plus guère utilisée que pour certains raccourcis. 9. Touche ou suppression, affectée à des opérations d'effacement ou d'interruption système. Touche début et fin, utilisée généralement pour se déplacer rapidement dans une page. 11. Touche page up et page down, page haut et page bas. Leur fonction première est le défilement vertical des pages. 12. Touche fléchée de direction haut, gauche, bas et droite. 13. Pavé numérique où ces chiffres, ces touches plus et moins, sont utilisés pour les raccourcis clavier. Donc les touches 1 à 9 et les touches plus et moins. Voilà, donc les utilisations des différentes touches du clavier.